Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur cette sixième vidéo pour le Merkava et son diorama. Alors l'habituelle séance de questions-réponses. Mais avant, bon, je voulais vous prévenir, vous avez vu cette vidéo, elle fait une heure. Même un peu plus d'une heure. Pourquoi elle fait une heure? Parce que j'utilise les produits AK et je pouvais pas couper la vidéo, tu vois, en plusieurs. Voilà, une fois que j'avais commencé les produits AK, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et j'ai pas voulu couper parce que ben, pour que vous vous rendiez compte aussi du temps que ça prend. Vous verrez qu'avec un des produits AK, j'ai au début je crois avoir une galère, donc je change d'idée. Voilà, pour que vous voyez aussi tout le processus de comment on peut, quand on fait un diorama, pour pas paniquer s'il y a un produit qui ne va pas comme il faut, on trouve une solution, on le liquéfie, au contraire on l'épaissit, on essaye de le passer différemment. Donc tout ça me prend un peu de temps. Et ce qui fait que j'ai poussé la vidéo jusqu'à une heure. Alors regardez-la en deux fois si c'est un peu trop long, ou en quatre fois. Vous zappez toute la partie diorama si vous n'êtes pas intéressé, vous étiez intéressé que par la Merkava peut-être. Donc bon, ok. Je m'en excuse pas parce que le but c'est de vous montrer voilà, le processus, c'est que ça prend du temps, etc. Donc voilà, soyez avertis, ça dure une heure. Alors il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a des questions que j'ai répondu hein, sur la vidéo 5. J'ai répondu en texte. D'autres, je vais ajouter un petit supplément là en vidéo. Alors Delmus, tu me demandes enfin, tu me dis que tu aimes bien les bateaux, les navires en maquette, et est-ce que je vais en faire un jour en vidéo? En tout cas non, en montée non plus pour l'instant, parce que c'est des montages qui sont très très longs, tu vois. Moi je suis un perfectionniste, je peux pas faire un bateau en 3 semaines quoi, tu vois. Quand je vois les gars, ça m'est arrivé de regarder hein, sur des magazines ou sur des vidéos ou, enfin, tu vois, et ça prend énormément de temps. J'ai aussi un oncle qui faisait ça, il faisait des grands bateaux avec le moteur électrique, machin, enfin tu vois, ça prend des mois, quoi, ça prend des mois. Et je pense pas que ça se passe très terrible avec une vidéo. Tu vois, une vidéo qui durerait, enfin qui, tu vois, qui serait étalée sur 6 mois, 1 an, c'est trop long, quoi. Sinon, ouais, c'est très agréable à regarder, j'adore. Quand je vais dans des expos, voir des bateaux, tu vois, là je sais que dans le trompetteur a sorti une gamme moins 200, ça doit être génial de faire ce genre de trucs pour les gars qui sont amoureux des bateaux. Voilà, et moi ça reste avion et blindé en priorité, je dirais rien maintenant, mais sans doute je pense pas que je ferai un jour un bateau en vidéo. Bernard, tu montes le Corsair et tu voudrais le faire en vol, si j'ai bien compris. Tu me demandes si les volets peuvent être montés droit. Oui, tu peux le faire. Donc, si tu veux faire ton Corsair en vol, il n'y a pas de terrible. Alors moi, j'aime pas faire des avions à hélice en vol. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que bah, l'hélice, justement, ça fait pas réaliste, quoi. Tu vois, l'hélice est statique. Alors il y a des gars qui essayent d'enlever l'hélice et de mettre un rond transparent sur lequel ils ont fait un effet aérographe pour qu'on croit que les hélices. Mais ça fait pas très réaliste. Moi j'aime bien. J'ai en vol quelques trucs là, tu vois, quelques modèles. Mais c'est toujours des avions réacteurs, tu vois. Voilà. Je trouve que là, il n'y a pas de problème pour les mettre en vol. Mais un avion à hélice, se mettre en vol, c'est pas terrible, je trouve. Ok. David, tu me demandes pour les pigments, ceci, une fois qu'on a passé tous les pigments sur son modèle, on peut passer le fixateur à l'aérographe. Oui, peut-être, mais j'ai peur que l'air, tu vois, que tu envoies, chasse les pigments, quoi. Tu vois, au pinceau, on dépose, tu as vu sur la vidéo, la vidéo 5, ça se répand par capillarité, tu vois, donc les pigments ne bougent pas et sèchent, après on laisse sécher tout doucement. J'ai peur qu'à l'aéro, même si tu pulvérises, il y a quand même le GDR qui arrive, peut-être même si ça arrive à un quart de microseconde avant, tous les pigments sur les côtés, tout va partir, quoi. Et ça ne sert pas à grand-chose parce que comme tu travailles par petites zones, tu vois, tu mets tes pigments, après avec un autre pinceau, tu mets ton fixateur, et tu continues comme ça. À l'aéro, je vois pas l'avantage, quoi. Voilà. Bon, après, pareil, hein, fais un test sur un petit truc, soit sur une surface, ou sur ta première, sur une maquette à l'aéro. Et puis si ça fonctionne nickel, voilà, dis-nous dans les commentaires, mais je pense que c'est bien. Enfin, c'est fatigué pour pas grand-chose, quoi. Okay. Voilà les gars, bon là on commence la vidéo 6, l'avant-dernière vidéo sur le diorama du Merkava, donc il y en a pour 1 heure. Ok? Donc regardez-la en plusieurs fois. En tout cas j'espère que vous apprendrez quelque chose. Voilà, un coup de générique et puis on se voit tout de suite derrière. À plus, ciao.
Bon les gars, on va commencer par le Merkava. On va passer la petite couche de bœuf ensemble. Ok. Donc là sur la Torel, j'ai juste travaillé un peu le orange là. Voilà, j'ai refait en blanc les petits bouts des antennes. Ok, rebricoler deux trois trucs à droite à gauche, mais rien de bien. Alors le bœuf, je le passe sur les surfaces horizontales. C'est-à-dire que je vais le passer vraiment au-dessus, pas trop sur les côtés. Sur les côtés, je vais travailler un peu, ok. Alors que sur le dessus, voilà, l'important c'est que ça soit sur toutes les parties horizontales. Alors j'ai pas de réglage particulier là pour l'aérographe. Je suis toujours à 1 bar. J'ai une aiguille de la buse de 0,4. Ok, une peinture bien diluée, donc le bœuf Tamaya, c'est le XF57. Bon, là, il y a Discord qui s'énerve, c'est pas grave, je répondrai après. Alors. Il faut y aller léger, assez loin, bien à l'horizontale. Ça va uniformiser hein, tout le travail qu'on a fait là déjà. Dans les parties horizontales. Sur les cages du char. Voilà, on fera après ensemble les traces d'échappement. Hein, là, je vous montre pour l'instant le trace d'échappement, on les fait en dernier. Hein. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus le côté sable. Ça va sceller un peu le pigment. Ok. Sur les côtés, je vais travailler sur les chenilles. Et sur le bas des plaques. Faut que ça soit très assez subtil hein. Alors, tout sur le bas des plaques, simuler un peu la poussière, un peu sur les chenilles, un peu sur les roues. Pareil à l'arrière, sur le bas ici, un peu. Alors si vous faites comme moi là, les petites parties en caoutchouc, si vous les faites en feuilles d'étain, vous allez voir que de temps en temps, vous voyez comme celle-ci, elle se recourbe. N'y touchez pas, ne le redressez pas à chaque fois, parce que c'est un métal, si vous le remuez souvent, il se casse. Donc vous le laissez comme ça jusqu'à la fin et puis au dernier moment, vous les redressez bien comme vous le souhaitez. Voilà, vous faites des petites traces comme ça simule la poussière. Ok, la tourelle. Alors je vais éviter d'en mettre sur les armes. Si j'en mets un peu, c'est pas très grave, je repasserai un coup de noir au pinceau. Voilà, vous voyez, ça donne une teinte. On en met aussi une petite couche sur le tissu là.
pour les parties verticales. On va en mettre aussi sur le dessus du fût. Ah, vous voyez, je suis assez loin du modèle, hein, je suis à une bonne dizaine de centimètres. Voilà. Sur le côté, on va juste en mettre sur le bas des plaques où il y a les numéros, là, vous savez, ici, dans cette partie-là. Voilà, comme ça. Et après, on va faire des petites traces. Voilà, l'autre côté pareil. Travailler un peu. La plaque avec le numéro arrière aussi. Voilà, et tout ça, ça va aider. Alors on regarde si on a le même niveau. Ok. Ah bah, tu vois, là au-dessus, je repasserai un petit coup de pinceau si nécessaire. Sur l'armement. Yes. Impeccable. Très bien. Alors je vous propose maintenant qu'on fasse la fameuse trace de fumée. Donc, on va la préparer un peu avec le bœuf là. Donc le voilà, c'est ici. Hein. Donc les échappements partent de ce côté-là. Un peu ici sur la plaque. Ça, c'est juste un petit travail de préparation. Ok. Alors maintenant, je change de couleur et puis. Alors c'est du natto black. Hein. Moi, j'évite tant que faire se peut d'utiliser du noir pur. Hein. Natto black, c'est un gris très 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 foncé. Quoi. Okay. Tu vois, par rapport à la maquette, là, je te montre du haut. Il faut avoir un geste quand tu fais des traces d'échappement. Même sur les avions, c'est la même chose. Au début de la trace, tu es ici. Okay, par rapport à tu vois, la distance là, entre la buse et le modèle. Voilà. Et à la fin, on calcule que la fin de la trace, elle va être ici, admettons. Alors au début, tu es là. À la fin, tu es là. Tu vois, ton geste, il doit partir comme ça, par rapport à la surface de ton modèle. Ok. Ce qui fait qu'en faisant comme ça, là, il sera concentré, la teinte, le noir, et là, il sera plus diffus et plus écarté. Ça donne cette illusion de. Voilà. Après, on peut faire des petites retouches, évidemment, comme là, il y a une petite retouche à faire. Donc, je vais prendre un peu de diluant. Je vais mettre sur mon pinceau. Hop. Voilà. Ça, on peut le faire si on le fait tout de suite. Hein. Moi, je fais comme ça, et là, dans quelques minutes, je vais repasser un petit coup de bœuf. Parce qu'il faut qu'ici, il n'y ait pas de trace d'échappement, évidemment. Donc là, je repasserai un petit coup de bœuf. Ok. Alors, quand on regarde des photos,
C'est un peu dans ce style-là, quoi. Voilà. Tu vois? C'est diffus, ça part sur les plaques là en dessous. Ok. Et là, après, avec un pigment, je peux avoir un pigment noir fumé quelque part. Là, on fera le bas des plaques, là. Enfin, le bas des palettes, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis le haut des plaques, ce sera un peu plus noir. Ok. Mais tout le reste, c'est un peu gris foncé, comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, les traces d'échappement, on en fait toute une histoire, quelquefois. Bon, c'est vrai que ça nécessite un peu d'entraînement, mais prenez, par exemple, une... Faites vos premiers gestes sur une feuille de papier ou un bout de carton. Et puis vous verrez que très 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 rapidement, on arrive à faire quelque chose d'assez bien. Donc là, je vais vider. Voilà, donc sur le chat, il reste bon le petit travail au pigment sur la trace d'échappement. Je vais retourner le chat de l'autre côté pour que vous puissiez le voir, mes amis. Oups, voilà. Bêtise, boulette. Depuis le début, faut que je fasse gaffe à mes antennes. Non, ça va, impeccable. Bon. J'ai eu chaud. Alors, voilà. J'ai juste à travailler avec un peu de pigment noir, cette fois-ci fumé. Ici, la trace d'échappement, un peu sur les plaques. Encore un tout petit travail sur l'armement, là. Deux, trois petites traces de jus quand j'aurai passé le vernis mat sur les toutes les grilles, là. Et puis on peut considérer que le char est terminé. Alors j'ai 2-3 boîtes de rations en carton là à faire que je vais poser ici, mais que je vais laisser relativement propre déjà pour qu'on voit bien le... Il y a plein de petits trucs écrits, tout ça. Et puis considérant que bah, les boîtes de rations ils traînent pas là pendant des années, quoi. Ok. Donc ils sont pas très sales et pas recouverts d'un centimètre de poussière. Ok. Alors. Maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va se concentrer sur le diorama. Donc là, on va couler ensemble la première couche de plâtre. Okay. Ok, les gars. Bon, nous voici au moment où on va couler la première couche de plâtre. Alors, comme vous voyez, bon, déjà, j'ai fait des petits trous dans le bois pour que le plâtre puisse s'imprégner et tenir un peu mieux. J'ai protégé le tour, là, vous savez, la petite moulure. Et puis, j'ai mis là un bout de carton avec qui tient avec un scotch double face pour éviter que le plâtre en le coulant ici part sur les côtés. Ok, donc j'ai fait un plâtre avec un mélange classique, deux volumes de plâtre pour un volume d'eau. Ok, donc bien mélangé, on se protège les mains, c'est un travail assez salissant. Quand on mélange, la poudre elle se met un peu partout, quoi. Ok, alors on essaye d'abord. La vue. Hop. À peu près. Okay. Alors ici, je voudrais essayer d'en mettre une fine couche, mais pas jusqu'en haut. De façon, quand ça sera sec, comme ça, je mettrai une deuxième couche pour la route. Je vais tenter ça. Alors, je vais en mettre un peu partout avant d'essayer d'aplanir. Ok. Mettre partout sur l'atelier. Alors, on va essayer. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, j'essaie de le répartir un peu partout. On va le secouer un peu après pour enlever les bulles. Je crois que j'en ai mis pas un peu trop, c'est pas grave, mais j'aurais voulu faire une couche supplémentaire.
Bon, là, je pourrais retravailler après, hein, si ça se décolle, si ça se... Je pourrais retravailler avec soit la texture Tamaya, soit le Gecko, soit... Enfin, le Gesso, pardon. Le Gecko. Le Gesso. Alors, je vais essayer de taper. Voilà, voyez, en faisant ça, ça s'aplanit parfaitement. Oui, bah, j'en ai mis un peu trop, c'est-à-dire que je ne vais pouvoir faire qu'une seule couche. Puisque là, ça monte jusqu'en haut de la moulure. Alors voilà, plus on fait ça, plus il y a des petites bulles qui sortent, plus la surface s'aplanit. Ok, bon là c'est pas mal. Alors je vais le retourner pour que vous le voyez avec la caméra. Je vais enlever le plâtre. Il faut pas que la surface soit non plus trop plate. Hein. C'est pas pour la route, c'est ok. Mais pour la surface de sable, après je pourrais rejouer en ajoutant un peu de plâtre, faire un petit monticule là, un petit ouais. Et puis là la descente du, tu vois, là la crevasse ça va le faire. Là, ici, je travaillerai après quand elle sera sec. Le plâtre, quand il est sec, il se travaille quand même beaucoup mieux. Saut. Alors, je ne sais pas si la caméra, juste en face, vous allez voir quelque chose, parce que ça brille avec l'eau. Hein, donc, c'est pas évident. Ça commence déjà à sécher sur les côtés, là. Alors, je ne sais pas si je pourrais peut-être... Parce que là, c'est la route de ce côté-là. Et du côté de la route, c'est peut-être mieux si c'est bien droit. Tu vois? Je crois que c'est pas non plus au millimètre, hein, ça se verra pas si... S'il y a un millimètre d'écart entre là et là, hein, c'est pas non plus... Ouais, voilà. Ok, donc la route ici. Puis là, je ferai un petit truc. Même avec la texture, j'ai mis un peu de sable, tout ça, pour qu'on voit bien la délimitation quand même. Il y aura la délimitation, avec la couleur, évidemment, de la route et du désert. Mais aussi, il faut que genre, ça soit bien plat, la route soit bien plate. Donc les petits packs de bulles qui vont se mettre, là, je les penserai une fois sec. Donc voilà, là, la première couche de plâtre. Alors, je repasse en caméra au-dessus, voilà. Là, on va laisser sécher au moins 24 heures, voire 48, puisque demain, j'ai autre chose à faire. Donc, on va profiter de bien laisser sécher ça, ok. On verra à ce moment-là, je pense pas. Hein. Là, vu le nez, il n'y a pas besoin de rajouter de plâtre. Mais on verra quand ça sera sec. Hein. Quelquefois, ça prend une tournure... différentes une fois qu'on a enlevé le carton, tout ça. Peut-être qu'il faudra, je rajouterai un petit peu ici, ou un petit peu là, ou un petit peu à droite à gauche, mais pour l'instant, ça a l'air... Voilà, donc vous voyez, pour l'instant, la première étape, pas compliquée, hein, c'est la première phase. On va laisser ça bien sécher, puis on se retrouve après, une fois que ça sera sec, et puis j'aurai enlevé le carton. Ok, à tout de suite. Ok, les gars, alors nous voilà 48 heures plus tard. J'ai bien laissé sécher le plâtre, et puis j'ai travaillé un peu la route là. Donc vous voyez là, cette caméra du dessus, comment le char va être disposé. Alors avec la tourelle dans ce sens-là, ça donne une dynamique au char un peu plus... J'ai regardé un tas de petits articles sur les magazines, là, tout ça, et puis des tutos pour comment on dispose un diorama. Et à chaque fois, ils disent qu'il faut une ligne de fuite qui sorte du diorama, donc là, par le fût. Donc il va être déposé comme ça. Ok, j'ai fait des traces au crayon. Je vais enlever le char. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Ok, donc il va être ici. Alors j'ai fait des traces pour les chenilles parce que je voudrais... à peu près comme ça. Je voudrais... sur ce côté là parce que ça va être la route,
ce côté-là, c'est du sable. Je voudrais qu'il soit un petit peu enfoncé, enfin que la chenille du dessous, elle soit un peu enfoncée dans le sable. Là, je vais essayer de mettre un minimum de produit sur cette zone-là. Et puis une fois que je poserai le char à la fin, quand le diorama sera terminé, que je collerai le char sur le diorama, je rajouterai un peu de produit pour faire, tu vois, pour que le char ait l'impression qu'il soit un peu enfoncé de ce côté-là. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Ben, j'ai tracé une ligne pour la route là, ok, avec ma règle, un crayon. Et ensuite j'ai travaillé cette surface-là pour qu'elle ait l'air déjà, vous voyez, un peu. Il n'y a pas de produit dessus, j'ai rien mis. Hein. Mais elle a l'air un peu de sable. Alors je vais bouger ça pour vous montrer à la caméra là en face. Que vous voyez un peu la texture. C'est blanc sur blanc, c'est difficile, mais vous voyez là c'est la route. Et puis ici la surface. Oh, pardon, ici la surface texturée. Et j'ai texturé avec ma petite Dremel. J'ai monté ça sur ma Dremel. Je vous montre. De pic là, c'est du fer, okay. Et puis j'ai tenu la Dremel comme ça, et puis brum, 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 brum. Et ça fait plein de déjà une pré-texture, quoi. C'est déjà voilà. Puis il y a 1 ou 2 mm en moins, quoi, par rapport à la route. Donc ça devrait être plus visible. Alors on va commencer par les produits AK. Alors je fais ça vraiment en direct devant vous. Je les ai pas testés, j'avais dit que je testerais sur un bout de truc, mais je me suis dit je vais faire ça vraiment avec vous. J'ai vu la technique, il faut un petit peu de flotte. Ok, pinceau, j'ai tout, j'ai les produits. Je sais comment je vais procéder. Alors le produit AK Crackle, vous savez, ça fait des petites. Ça fait des craquelures comme ça là, sur le sable. Je vais l'utiliser ici en haut. Ok. Cette partie ici un peu là, que je vais faire au crayon, tu vois, un peu comme ça là, tu vois, pas dans le bas, parce que je me suis dit si dans le bas c'est craquelé, l'eau quand il pleut, les rares fois où il pleut, elle doit descendre et se stagner un peu plus ici. Cette partie là doit toujours être plus humide, j'imagine, que le haut de. Donc je vais craqueler ici, c'est plus logique, ok, voilà, disons comme ça, ok. Là, je vais faire le produit Crackle. Ok. Après, toute cette partie-là, la partie que c'est la colline, mais tu vois, un peu. Voilà. Celle-ci, je vais faire le sable sombre, celui-ci. Sandy Desert, tu vois. Et là, du sable normal. Et là, évidemment, l'asphalte. Ok. Alors, je sors de l'eau, ok, le pinceau. Alors, le pinceau, je vais utiliser celui-ci. Alors, pareil, ça fait beaucoup de. Tu vois, j'ai un gros pinceau comme ça, c'est pas pour peindre, mais c'est pour enlever le. Ça fait beaucoup de poussière. Alors, quand vous faites, oui, quand vous faites à la Dremel, si vous faites jamais à la Dremel, vous avez une petite Dremel, et que vous faites une surface en plâtre comme ça pour qu'elle ait vraiment l'air comme de la terre, du sol, vous passez la Dremel dessus. Faites ça à l'extérieur, ok. J'ai fait les deux premiers jets ici là sur le bureau. Tout était recouvert. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais tout était recouvert de farine blanche. Ça fait une farine terrible et une fumée terrible. Donc après j'étais sur le balcon. J'ai pris une rallonge pour la Dremel. J'étais sur le balcon. J'ai fait ça dehors. Donc le plâtre s'est dispersé. Dans la nature, mais si vous faites ça chez vous, les vêtements, tout, c'est foutu. Les mains, les cheveux, il y en a partout. Ok, donc faites bien attention si vous faites du plâtre à la Dremel. Ok. Alors, on va commencer. On va prendre d'abord celui-là. Bon, j'ai juste regardé sur Internet les tutos faits par AK d'ailleurs sur l'utilisation de leurs produits. J'ai re-regardé aussi ce matin la vidéo de notre ami Arkilon qui a utilisé aussi trois de ses produits. J'ai vu la façon dont il procédait avec. Avec sopalin, pinceau, l'eau, etc. Donc le Crackle Effect. Alors voilà la texture, à quoi ça ressemble. Il n'est peut-être pas très bien mélangé. Alors
Alors, je me demande en le faisant, vous voyez, je réfléchis en même temps là, que c'est pas la même couleur, regardez. Alors, si je mets ça là et puis ça là, est-ce que ça va pas faire bizarre? Est-ce que je ferais pas mieux de mettre d'abord celui-là, ici faire une surface plane, et après mettre celui-là dessus pour fondre les produits? Ouais, je vais peut-être tester ça. Je vais peut-être tester ça. Là, je fais en direct, mais. Tester celui-là et puis quand il sera sec sur le dessus, il ne sera pas trop tard pour refaire à l'autre produit. Ok, alors moi il y a un énorme, ouais, je l'ouvre juste là devant vous, il y a un énorme truc dans le pot, enfin, il n'est pas à moitié, faut pas exagérer, mais il y en a plein dans le couvercle. Je vais d'abord prendre celui qui est dans le couvercle, ça sera sans doute mieux. Alors on y va. Alors, d'après ce que j'ai vu à Arquillon, voilà, il fait des petites choses comme ça. Ok, bon, le produit est pas compliqué à étaler. Je vais essayer de. Ouais, il manque un peu d'eau dans le produit, à mon avis. Ok, alors je vais continuer comme ça, vous voyez le principe. Je vais faire comme ça toute la colline. Hein. Et puis on se retrouve juste après. Alors, un premier avis sur le produit. Donc là, vous voyez, j'ai passé sur toute la colline, donc le Sandy Desert. Vous avez vu, quand j'ai dévissé le pot, il y avait du produit dans le couvercle. Je n'ai utilisé que le produit dans le couvercle, et encore le centre, là, il en reste plein. Donc côté quantité de produit, c'est pas énorme. Là, je vois que, tu vois. Voilà, ça se passe très très bien. Enfin, tu vois, c'est pas une difficulté avec le pinceau, comme ça. Alors suivant, on peut le liquéfier un peu plus. Tu vois, si tu en mets sur dans une petite coupelle, tu rajoutes pas mal de l'eau, quoi. Voilà. Ça devient une peinture. Alors granuleuse, évidemment, il y a des petits grains de sable dedans. Ok. Mais on peut jouer là-dessus. J'imagine pour faire des surfaces très très planes ou des choses comme ça. Voilà. Donc produit agréable à travailler. Ok, là je vais tout remettre, essayer de remettre dans le pot. Je ne sais pas comment je vais fonctionner ça, mais bon, j'ai pas le choix de faire comme ça. Puis j'essuierai avec un. Voilà. Donc produit plutôt sympa à travailler, donc je suis content, c'est plutôt pas mal. Ok, maintenant on va faire la surface. Je vais faire un peu de surface crackle dans ce coin-là, là, dans un coin pour voir comment ça se combine. En séchant. Puis après j'en rajoute, j'en ferai peut-être ici, comme j'ai dit au départ. Là. Voilà. Ok. De maintenir ça propre pour la prochaine utilisation, parce que si la prochaine fois que j'utilise le pot
c'est dans plusieurs mois. Je voudrais pas que ça soit collé au. Je puisse pas le utiliser. Bon, je vais prendre ça là et je verrai après pour le nettoyage. Ok, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Alors, le produit Crackle. Donc là, c'était le contraire. J'avais l'impression qu'il était mal mélangé. Il y avait une grosse boule au milieu d'un truc liquide. J'essaie de mélanger un peu mieux au cas où. Voilà. Ok, alors toujours le même pinceau. Ok. Alors ça c'est vraiment par curiosité, je le recouvrerai après. Si jamais ça fait pas l'effet désiré. Voilà. Je vais juste faire un petit truc comme ça. Puis on verra ce que ça donne une fois sec. Là aussi, je vais enlever les couvercles. Bref. Ok, alors maintenant je vais faire l'effet sable. Je prends la planche. Alors combien de temps ça m'a séché, je ne sais pas. Là je l'ai passé il y a 10 minutes, c'est pas encore loin d'être sec. C'est pas écrit dessus. Non. On verra, de toute façon je vais mettre cette teinte là maintenant. Et puis j'y touche plus jusqu'à demain de toute façon. Là aussi je vais pouvoir utiliser d'abord ce qu'il y a dans le couvercle. Ok, alors le même pinceau et puis c'est reparti. Donc je filme le début pour que vous voyez un peu. Je vais rapprocher, je vais zoomer un peu. Voilà, et puis on se retrouvera après quand c'est fait. Ok, bon, c'est plutôt. Alors, je vais fondre après les deux parties entre le foncé et le clair. Soit au pastel ou à l'aéro, je verrai. Bon les gars, je termine de poser le sable. Et puis on se retrouve après pour passer l'asphalte ensemble, ok? A tout de suite. Ok, alors voilà, j'ai passé tout le sable, comme vous le voyez. Ok, même style d'application
qu'avec l'autre produit, c'est exactement les mêmes. Le grain est peut-être un peu plus fin. Il se rétracte un tout petit peu parce qu'il y a des endroits, là, vous voyez, il n'y avait pas de blanc, et là, il y a du blanc. Donc, je vais attendre qu'il soit bien sec avant de refaire des petites touches pour qu'on ne voit plus le plâtre en dessous. Pareil ici, je vais attendre que ça fasse son effet, c'est pas bien sec. Je vois pas les craquelures pour l'instant, enfin, il faut se... enfin, ici sur le côté, mais j'ai peut-être déposé en couche trop épaisse. Je verrai bien comment ça fait, quoi. Si c'est pas terrible, je recouvrirai d'un truc de blanc et puis d'un truc du sable comme ça, et puis on en parlera plus. Ok, on va faire maintenant ensemble l'asphalte. Alors pareil, vous voyez, produit tout neuf, je n'ai pas déballé. Bon, là, c'est un peu plus liquide, comme une peinture. Bon, il y a quand même une petite texture dedans, ça se voit, mais... Ouais, c'est une peinture, hein. Donc, je vais quand même bien le mélanger pour qu'elle ait bien la couleur prévue. Alors c'est marqué sur la boîte, hein, qu'on peut le diluer soit à l'eau, soit avec un acrylic thinner. Bon, j'ai utilisé de l'eau comme vous avez vu. Protéger quand même. Voilà. Donc là, j'utilise un pinceau un peu plus large. Ouais, ça me semble un peu mieux mélangé. Ok. Alors, je vais utiliser une brosse comme celle-ci. Je vais procéder plus comme une mise en peinture. Même si après encore avec des pigments, je pourrais modifier la chose. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de flotte. C'est de brosser dans le même sens parce que si ça laisse une trace, je sais pas si je l'applique correctement. Mais si je fais comme ça, je l'applique comme le sable. Il va y avoir des grosses traces noires, quoi. Tu vois? Alors que si je fais comme un... ça va pas terrible, ça me plaît pas. Voilà, faut faire des couches plus épaisses. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas cool, hein. Alors il faut vachement plus le... Je vais essayer de le mettre dans une petite coupelle et puis mettre un peu plus de flotte, mais ça m'étonnerait. Hein.
Ouais, bah c'est pas évident à passer. En tout cas, le résultat est pas. Peut-être qu'une fois sec, il faudra une deuxième couche, vous voyez. Pour l'instant, je suis pas super emballé par rapport aux autres produits là. Les autres produits m'ont semblé plus efficaces. Là, il y a un truc que je comprends pas. Pourtant, j'ai regardé le tuto, c'est à peu près la même chose, hein. Ça, on va essayer avec une couche. On en rajoutera une deuxième quand ça sera sec, si ça fait pas l'effet escompté. Mais je trouve le produit un peu plus difficile à passer que l'étain de sable. Alors pourtant, d'après l'affiche AK, ça se passe exactement pareil que le sable, hein. Voilà, il y a un endroit, c'est marrant, il y a un endroit où les produits veulent pas coller. Ok. Peut-être qu'il faut effectivement plusieurs couches. En même temps, le but, c'est pas de faire une route toute neuve, une autoroute, tu vois. Si le bitume a l'air en mauvais état, c'est pas plus mal. Dans le désert, j'imagine que il n'y a pas un entretien comme nous ici, tu vois. Comment je pourrais faire ça? Parce qu'après dessus, il faut que ça fasse vachement lisse, quoi. Là, on voit tous mes coups de pinceau. Voilà, avec un petit rouleau. Est-ce que j'ai ça, un petit rouleau? Faut pas que je fasse comme ça, faut. Voilà, même comme ça. Ouh. Galère, galère, galère. Bon, là, je suis un petit peu. On verra, hein, parce que peut-être une fois sec, tu vois, ça va être. Voilà, tout ça me plaît pas, on voit des coups de pinceau, ça devrait être, tu vois. Ou alors faut en recouvrir comme une espèce de pâte avec un petit. Là j'ai des outils là un peu. Si j'essayais d'en faire une espèce de pâte et puis que je passerai plus. On va tester ça, d'accord? J'ai l'impression, mes amis, que c'est ça. Je sais pas, hein, je vais pas crier victoire trop tôt. Mais de visu, j'ai l'impression que c'est la bonne façon de passer le produit.
qu'il faut passer une couche un peu plus épaisse, quoi, tu vois. Et après, est-ce que... Alors... J'ai l'impression que c'est comme ça. Il faut une couche plus épaisse. Et je crois qu'il faut fonctionner dans le sens du... Tu vois? Une couche d'un millimètre, quoi. Alors, je ne sais pas si en caméra de devant on voit bien. Je mets une pâte et puis voilà, hein, je comme un glaçage sur un gâteau. Hein. Ça va faire pas mal finalement. Alors après, il faudrait un rouleau. J'ai un rouleau, mais vous allez rire. C'est un jouet de mon petit-fils. Je sais où il est. Ça serait parfait pour ce genre de boulot. Par contre, je vais bousiller son petit jouet. C'est un petit rouleau qui fait 3-4 cm de, tu vois, jaune là. Je pourrais passer des coups comme ça, ça uniformiserait encore mieux le. Voilà, bon là ça a l'air. Parce que vous voyez là c'est parfait, mais il y a des petits monticules avec. Et puis quand je passe le petit outil là. Alors que ça. Alors bon, j'hésite. Qu'est-ce qui est bon, bon. Au pire, je dirais que je l'ai perdu. Hein. Papy, c'est pas brûlé ton jouet, mon chéri. C'est pas grave. Oh la honte. Oh la honte. Le mauvais papy. Mais bon, on dira rien. Vous, pareil, vous dites rien. Ça va passer à l'as. Avec un peu de bol, il va l'oublier. Alors, je continue à mettre le produit. Alors, je filme tout pour que vous rendiez compte un peu. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça, hein, tu vois. C'est pas la peinture, faut pas le... Il faut vraiment mettre une petite couche. Puis après, il faut l'uniformiser. Alors, peut-être qu'en séchant, ça va le faire tout seul. Ou peut-être qu'une fois sec, après, on peut poncer un peu pour, tu vois, enlever les petites... Mais je vais quand même passer un petit coup de rouleau, là. Bon, comme ça, ça se travaille bien. Hein. Il est pas... Tu vois. Je voudrais faire des coulures, là, pour toi. Sur le côté,
Quand on met trop plein de coudron, ça fait des espèces d'ourlets sur les côtés là. Ouais, voilà. Bon, maintenant on va essayer la rouleau. Voilà. Mathéo, si tu regardes ça dans 15 ans et que tu me dis « Ah papy, c'était toi qui m'avais piqué mon rouleau », pardonne-moi, ok? Il y a des trucs, il y a des priorités, d'accord? Donc la maquette de papy, les dioramas, c'est priorité, ok? Alors, je vais essayer comme ça, je prends ça. Je vais le mouiller un peu. Mal, ça va être les grosses traces que je vais enlever après, mais au final, tu vois, quand c'est fini, regarde, c'est nickel, on dirait une vraie route. Bon, par contre, ça m'a mis... Attends, putain, c'est le bordel. J'espère que je vais pas en foutre partout. J'enlève ce qu'il y a sur le rouleau, heureusement, ça sèche en... Ça sèche pas rapide, quoi, tant mieux. J'ai mis le bras dedans. Alors j'enlève ce qu'il y a sur le rouleau. Voilà. Je le remets dans la boîte pour pas en perdre, hein, parce que ça coûte quand même un petit bras ce truc. Et là je réessaye. Voilà. Après ça peut faire pas mal ce qui reste là. Vous voyez, c'est comme les routes qui sont vachement abîmées. T'as des plaques de goudron comme ça là qui sont. Ça je pourrais l'enlever après, hein. Ça c'est vraiment pas un souci. Il y a un petit endroit dans le coin là où le produit veut pas. Aucun produit ne veut. Alors je sais pas si c'est parce que s'il y avait du gras, une tache de gras. Mais il n'y a rien qui s'attache là-dessus. Une fois que j'ai acheté un jouet, que ça me sert à quelque chose, à moi, impeccable. Voilà. Je crois que ça va être pas mal. Hein. Il y aura besoin d'une petite retouche, et puis un peu de pastel pour que les surfaces qui soient un peu au-dessus, quoi, tu vois, qui font les petites plaques de soient un peu plus claires, tu vois, avec un petit dry brush, ou un peu de pigment. Mais la texture est vraiment pas mal. Hein. Encore à travailler, à l'application tout au moins, parce qu'après on arrive à bricoler, à faire des choses, tu vois, comme je fais là. Voilà. Bon, par contre, ça m'y a un foin partout, j'en ai partout. Quoi. Mais bon. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir laver ça et puis que je vais pouvoir le remettre dans la caisse à jouer sans que. Ah, peut-être pas, parce qu'il y a peut-être des produits toxiques dedans, s'il le met dans sa bouche. Je vais le garder dans un coin. Avec un peu de bol, il se rendra compte de rien. Bon, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, ouais, attention, parce que ça met de la salissure partout. Donc là, ça donne quoi le haut? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, le résultat. Tu vois, mais il faut attendre que ça sèche bien, évidemment. Il y aura peut-être, tu vois, dans le coin là par exemple, besoin d'une retouche. Tu vois,
Là, pour l'instant, il y a encore des endroits qui brillent, tout ça, donc ça, c'est pas très glamour, quoi. Voilà. Ouais, mais passer comme ça, là. Non, c'est pas mal, hein. Une fois sec, ça va. Si ça sèche comme je pense, ça va vraiment avoir l'aspect d'une route, quoi. Avec du bitume un peu usé, tu sais. Et après, une fois texturé, enfin, une fois, pardon, une fois avec des pigments, tout ça, la ligne blanche là au milieu, les figurines, le char, deux, trois bouts de papier, de détritus sur le. Ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Alors voilà, une fois sec, effectivement, des petites retouches à faire là, sur le côté. Comme là, je vais remettre un peu de sable ici, évidemment. Retravailler la jointure entre le bitume et le sable. Tu vois? Parce qu'il faut que même le petit bord que j'ai fait soit en bitume, lui, pas en couleur sable. Après, je mettrai des pigments et de la poussière, c'est autre chose, mais il faut, moi, je m'assure que tous les endroits qui sont censés être en bitume sont d'abord en bitume. Après, on verra les pigments, tout ça, mais voilà. Voilà, super. Ouais, non, ça le fait, hein. Franchement, de visu, il n'y a pas une fois sec, on verra, mais nickel. Voilà aussi, tu vois, là, encore les pigments, j'ai encore du boulot là à enlever, remettre du sable, etc. Voilà, donc prochaine vidéo, j'aurais certainement fait la délimitation, tout ça, j'aurais un peu rajouté un peu de sable là aux endroits où vous voyez là où le bitume s'est un peu déposé. J'aurais certainement aussi déposé des petits cailloux. Ok. Et ça, c'est exactement comme dans le tuto. Pardon, d'Arquilon, c'est-à-dire quand il a monté son petit 109 là, avec de la colle pour gravier. Hein, donc j'ai récupéré des graviers dans un square. Ici à Paris, tu sais, il n'y a pas beaucoup de sable. Hein. Donc il y a encore quelques squares avec des bacs de sable pour les enfants. Tous les autres, ils sont en espèce de synthétique là, pour pas qu'ils se blessent. Mais alors, j'étais dans un square et j'ai piqué trois poignées de. Pardon, la mairie de Paris. Hein. J'ai filtré, j'ai machin, donc j'ai plusieurs sables de plusieurs couleurs. Là, on va foutre un peu partout. Enfin, un peu partout, non. Là, enfin, tu vois, des endroits stratégiques. Voilà. Bon, enfin, tout ça sera un peu plus, tu vois. Puis je pense que j'ai eu peur au début là pour l'asphalte, mais finalement, ça va le faire. Voilà, il faut l'appliquer correctement. Il y a un petit truc à comprendre. Enfin, tu vois, un petit coup de main, quoi. Mais je pense qu'après les pigments, tout ça, ça fait vraiment une texture béton. Enfin, tu vois, asphalte, quoi. Goudron. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, les gars, merci de m'avoir suivi. Ok. On se retrouvera donc pour une. Je pense qu'il y aura encore une vidéo de 30 minutes derrière. Celle-ci, là, que vous êtes en train de regarder. Encore une de 30 minutes derrière, et puis ça sera terminé. Hein, sur le char, lui, vous l'avez vu, il était pratiquement terminé. J'ai mes figurines à peindre, j'ai reçu ma peinture aujourd'hui. Donc je vais m'y mettre tout doucement. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo la progression. Okay. Puis il y aura tout mettre ça, tout sur le diorama ensuite. Les pigments, deux, trois touffes d'herbes spéciales, des herbes, machin là. Les barricades ici. Voilà. Et puis ça sera. Et puis la série, cette série sera terminée. Ok. Eh bien écoutez, merci à tous. Hein, je vous souhaite à tous bonne journée. Merci aux tipeurs encore. Vraiment, vraiment merci. C'est vraiment sympa. Il y a plein de choses que je fais maintenant que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas les tipeurs qui. Tu vois, comme ce genre de produit, essayer des dioramas, de la peinture pour figurines. Voilà, tout ça, c'est grâce à vous, tipeurs. Ça, c'est vraiment top, top, top. Merci beaucoup. Ok. Et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. A plus. Ciao.